Un autre morceau, Archambault? Non, vaut mieux pas tout finir. Elle a dit que de tout manger, ça lui plaît. Bon, si ça lui rend service, mets-moi un autre morceau. Je dis, j'aime pas cette attitude, toi, je comprends pas. Hein. Ça fait 10 ans. Désolé. Je comprends pas pourquoi ils ont tué Patrick. Ils ont fait des miettes de son crâne. On finira bien par le trouver. C'est ça que je pense aussi. Ben, je suis sûr. Un meurtrier avec une arme de cette taille et de cette agressivité, on n'aurait pas pu aller très loin avec son arme. On finira sûrement par la trouver. T'as raison. Là, fini de manger, on va partir. Dans ses rideaux tirés, la chambre était chaude et propre. Marie Maloney attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule. Penchée sur son ouvrage, elle était d'un calme étonnant. Elle était sur le 6e mois de sa grossesse. À 5h05, les pas résonnèrent sur la fenêtre, la clé tourna dans la serrure. Bonjour chérie. Salut. T'as passé une bonne journée au travail? Bon, comme toujours. Attends, je vais accrocher ton moto. Merci. Alors, comment est-ce que ta journée? Ah, je reste à la maison, comme toujours, tu sais. C'est pas mon plat de toujours rester ici chaque jour, attendre au retour. La présence de cet homme était pour elle comme un bain de soleil. Elle aimait par-dessous tout sa mâle chaleur, sa façon nonchalante de se tenir sur sa chaise, sa façon de pousser une porte, de traverser une pièce à grands pas. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était sa façon de ne pas se plaindre. T'es fatigué, chérie? De sa fatigue, de demeurer silencieux. Je te mets un petit verre de whisky? S'il vous plaît. Elle passa à la cuisine et prépara les whisky. Un fort pour lui, un faible pour elle. Elle ramena les whisky au salon et se rassit sur son fauteuil. Voilà, chérie. Merci. Il se mit à siroter son whisky. As-tu fait? Il le buva d'une seule gorgée. Non, c'est correct. Sa femme essayait constamment d'aller lui préparer à manger, mais à chaque fois, il disait qu'il n'avait pas faim. J'ai du bon toast avec des fromages. Non, c'est correct, c'est bien, pose-toi. Sinon, on pourrait sortir manger dehors si tu veux, il est que 5 heures. Non, si j'ai pas faim, non, Marie. C'est sûr, tu vois pas, je peux courir à l'épicerie chercher du riz, puis on fait du gigot. Non, reste ici. Ok. Il avait une terrible nouvelle à lui annoncer. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. J'y ai pensé pendant longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai enfin trouvé le bon moment pour te dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu vas pas être super ça? Oh oui, il fallait. Ok, il arrive. Ok, je vais attendre. Ah, ok, il est là, parfait. Tu t'attends? Mais qu'est-ce que tu penses? Ah, ok. Non, non. Ici, on peut voir une partie de l'argent. Attends, ramasse, je vais vers mes mains. Non, ramassez-le. Ça y est, Wow. Vas-y. C'est une partie, ça.
Voilà, ici, il y a le reste, il y a environ 150 000 cash. Puis j'espère que ça va bien être investi dans la compagnie. Quelle compagnie encore? Quelle compagnie? Quelle compagnie on investit? Plutôt. Non, je pense pas. Comment non? Parce que là, maintenant je viens de voler ton argent. Comment ça? Est-ce que quoi ça? Non. Et il lui dit tout ce qu'il lui avait à lui dire. Ce ne fut pas long, 4 ou 5 minutes au plus. Pendant son récit, elle demeura assise. Que ça s'est passé. Voilà l'argent qui nous reste. Je sais que c'est de très mauvaises nouvelles avec ce qui va bientôt venir. Sa première réaction était de ne pas y croire. Tout cela ne pouvait être vrai. En traversant la pièce, elle eut l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne ressentit rien. Rien excepté une légère nausée. Tout était devenu automatique. Les marches qui la conduisaient, l'électricité, le réfrigérateur. Sa main qui y plongeait pour attraper l'objet le plus proche. Elle le sortit, le regarda. Il était enveloppé. Son esprit était devenu soudainement extraordinairement clair. Épouse de détective, elle savait très bien quelle peine elle risquait. Que faisait la loi d'une meurtrière enceinte? Marie Maloney n'en savait rien. Elle alla dans sa cuisine, alluma le four et mit le gigot à rôtir. Puis elle monta dans sa chambre en courant. Elle commença à se préparer et à se pratiquer pour faire son alibi. Elle se mit un peu de rouge à lèvres et elle tenta de sourire. Le résultat fut lamentable. Elle se sentit prête. Elle descendit les escaliers et prit son manteau. Bonjour, madame Maloney. Comment allez-vous? Je vais très bien. Est-ce que je peux avoir un sac de patates, s'il vous plaît? De la viande avec cela? Honnêtement, j'ai un gigot chez moi. Et puis, j'aime pas vraiment cuire de la viande congelée. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense qu'il n'y a aucune différence. Je viens de recevoir ces nouvelles patates aujourd'hui de Lidl. Ah ouais, c'est parfait. Comme des patates. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Je pense que votre mari aime le gâteau au fromage. La dernière fois, il en a pris. Il a quand même ça. Ouais. Ça serait parfait, merci. Ça serait 29.
chose. Ok, merci. À la prochaine. À la prochaine. Dans la rue, elle pressa le pas. Elle se dit qu'elle allait retrouver son mari qui l'attendait à la maison. Elle se dit encore qu'il fallait bien réussir le dîner parce que le pauvre homme était fatigué. Elle rentre chez elle où l'attend son mari. Elle va préparer un bon repas. C'est la seule chose à faire, se dit-elle. Mais conduire avec nature, naturelle et simplicité. Être naturel. Comme ça, pas besoin de jouer à la comédie. Excusez-moi, il est mort. Je vais appeler pour ta mère. Oui, envoyez une lettre. Voilà, la maison. Ouais, quand tu viens de respecter, je vais venir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ils sont en train d'inspecter le corps. Allez-y, on parle avec les autres inspecteurs. En attendant, moi, je vais aller en bas et interroger la ville. D'accord. Dites-moi si vous trouvez quelque chose. J'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, arrêtez de pleurer et respirer. Placez-vous bien. Et je veux savoir que s'est-il passé aujourd'hui en détail. Au mari, je dirais. Attendez, attendez. Allô? Et c'est les. Non, même pas à 7 heures. Ouais, on va prendre une bonne, mais yo, cette fois-ci, c'est ton père qui l'achète. Parce que la dernière fois, c'était nous tous. Ouais. Excuse-moi. Oui, vous parlez de votre mari. Je dirais environ 5 heures. Attendez. Ouais. Allô? Et ton frère vient de m'appeler, ça fait même pas 10 secondes. Ouais. Yo, que ça soit ton frère, ça soit ton frère, vous avez le même père. So yo, techniquement, c'est vous qui vous achetez la bouteille. Ouais. Ouais. Excuse-moi, madame. Oui? C'est ça, mais. Il est rentré du travail, puis il avait l'air vraiment suspicieux et silencieux. Il est rentré à peu près à quelle heure? Mais comme je vous disais, à 5h05. Ok. Et puis, okay. Puis honnêtement, je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait, il ne voulait pas me dire. Alors, yo, vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis ministre ou quoi? Tout le monde m'appelle. Yo, demande l'autre, demande à l'autre. Moi, je travaille, tu sais. Ouais, être bien, je m'en fous. Oui, il parle de ça. Comment je veux? Ah, je vais marcher votre tour. Oui, je prends l'autre. Ouais. Bonjour.
Oui. C'est pour vous. Allô? Oh my god, vous m'avez appelé combien de fois? Yo, oublie le setup. Demain, toi et ta famille vont être en dedans. Et puis on va prendre la bouteille aussi, t'inquiète. Allez, c'est ça que je pensais. Yeah. Ok, ouais. Ça, il est rentré à 5h05. Ensuite, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme que je vous disais, il ne voulait pas me dire qu'est-ce qu'il y avait, puis il réussissait vraiment de manière très suspicieuse. Ben, je lui ai mis un verre de whisky. Attendez, quand il était rentré, est-ce qu'il avait consommé de l'alcool ou de la drogue? Non, mais comme je vous ai dit, moi je pouvais pas voir. Mais comme je vous ai dit, je lui ai mis un verre de whisky. Okay. Une fois rentré. Et il était trop fatigué pour qu'on voit dîner dehors ce jour-là, parce que je pense que le travail l'avait vraiment épuisé. Était-il blessé? Quelque chose? Non, il avait l'air complètement correct pour moi. Ok. Alors ensuite, comme je vous ai dit, il était trop fatigué okay. pour aller. Excuse-moi, oui. Vous avez dit qu'il rentre à 5h05. Oui. Et selon nos investigateurs, son travail finit à 4h30. Oui, mais vous ne comprenez pas, parce que le travail il est quand même loin. Okay. Vous connaissez exactement où il est poste de police et ouais, où il est vers ces heures-là, il y a beaucoup de trafic. Okay. Alors, on ne pouvait pas surtout manger dehors, puis comme je vous ai dit, il a vraiment faim. Alors j'ai décidé d'aller courir à l'épicerie, acheter des patates pour faire avec mon gigot. Puisque attendez, vous êtes allé à l'épicerie? Oui. Quelle épicerie? Ben, l'épicerie Sam. Ok. Allô? Oui. On voyait deux investigateurs chez l'épicerie Sam. Oui, c'est dans le quartier. Je veux savoir qui l'a raconté aujourd'hui, je veux tous les détails. T'as 5 minutes pour me donner les détails. Merci. Vous êtes juste allé chez l'épicier? Ah, et puis vous avez acheté quoi? Des pommes de terre et un gâteau au fromage. Ok. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai vu le corps. Puis, où était situé le corps? Où vous l'avez trouvé? Non, vous n'avez pas bougé rien? Non. Ok. Ok, ça paraît, selon nos recherches, qu'il a été frappé dans la tête, car il saignait beaucoup de sa tête. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé? Parce qu'il avait beaucoup de sang, vous l'avez vu quand vous êtes rentré. Je sais pas, peut-être quelqu'un peut-être une bonne idée serait de trouver l'objet. Ouais, ça on va le faire, c'est sûr. Mais avez-vous comme une porte ouverte dans la maison, dans le garage? Ça c'est vraiment comme votre travail. Moi j'ai pas aucune idée. Je suis venu, je vous ai appelé directement. Ça vous dérangerait-vous si on vous envoie un jour en hôtel? Sur nos frais et on investit toute votre maison pour trouver des évidences. Mais ça me dérange pas honnêtement de rester ici vous voir et investiguer. Peut-être je pourrais vous aider. Et puis c'est ça. Et voulez-vous un docteur du gouvernement car vous êtes enceinte et vous pouvez tomber en dépression à cause qu'il est mort. Je pense que je vais être correct. Okay. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup madame. On va revenir demain. Prenez soin. Quand vous n'avez rien trouvé en haut, envoyez un investigateur à Chambon en bas. Ouais. Je le vais dans moins d'une minute. Ouais. Merci. Bonjour, détective. Bonjour, Chambon. Vous n'avez rien encore trouvé ici? Non, on n'a rien. Mais on n'a pas cherché la place, donc tu vas m'aider à chercher. Mais là, c'est quoi votre travail ici? Déjà, je suis trop stressé. Arrête de me donner cette attitude. Comment ça cherche? On va te chercher dans le garage au début. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais on cherche la maison après le garage. Oh my god. Tu me donnes encore cette attitude, t'es suspendu pour les 10 prochains jours. Comment ça cherche maintenant? Désolé. Détective! Détective! J'ai trouvé un trou dans le mur. Pourquoi tu cries? Monsieur! Les récents. Je vais aller chercher Jacques, il va investiguer ça. En attendant, va voir la madame et dis-lui qu'est-ce qui s'est passé. Demande-la si elle sait quelque chose sur ce trou. Madame, pouvez-vous me dire comment ce trou était là? Ah, ben ce trou, comment il était là? C'était là depuis que je peux me rappeler. Même que je pense, depuis qu'on a acheté la maison, il était là. Et puis
un simple accident lorsqu'il dépassait l'humain. D'accord. On est un peu. C'est pas si cool. Allô? Maman? Oui, oui, je suis au travail là. Non, 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 pas ma Xbox, s'il vous plaît. J'allais jouer avec des amis ce soir. Ok, ok, on parle après. Bye, bye, je t'aime. Désolé, un appel familial. Et donc, vous avez dit que c'était là avant que vous aviez acheté la maison. Ouais. D'accord, merci, je vais aller voir mon boss. Excusez-moi, excusez-moi. Vous savez, le gigot est encore dans le four et... Ça serait vraiment dommage s'il n'y a personne pour le manger. Est-ce que vous voudriez souper aujourd'hui? Non, non, c'est correct. Ma mère m'a déjà fait. Non, non, j'insiste. Comme mon mari, il aurait voulu que les gens qui enquêtent sur sa mort aient une chance de manger ce gigot. D'accord, on va en discuter. Merci pour vos informations. Monsieur, je reviens à 200. Oui. Monsieur, le trou c'était là avant qu'elle déménage. Ok. Et elle nous a proposé à manger. T'as accepté? Je lui ai dit qu'on allait en discuter. Et elle a vraiment insisté. Mais on va y aller parce que c'est une veuve désespérée et puis on va prendre à manger avec elle cette nuit. D'accord. C'est bon. Appelle les autres. Ok. Un autre morceau, Archambault? Non, vaut mieux pas tout finir. Elle a dit que de tout manger, ça lui plaît. Bon, si ça lui rend service, maman, un autre morceau. Je dis, j'aime pas cette attitude, toi, je comprends pas. Hein. Ça fait 10 ans. Désolé. Je comprends pas pourquoi ils ont tué Patrick. Ils ont fait des miettes de son crâne. On finira bien par le trouver. C'est ça que je pense aussi. Là, je suis sûr. Un meurtrier avec une arme de cette taille et de cette agressivité. On n'aurait pas pu aller très loin avec son arme. Il n'est pas sûrement pas à trouver. T'as raison. Là, fini de manger, on doit partir. Yo, man. Attends, je vais te voir. Il y a un peu de temps. Mais dans cette fois-ci, c'est ton père qui l'achète.